imaginez, c'est très luxueux d'être invité à Venise sans avoir demandé. C'est un luxe plus. Vous avez un appartement et vous n'avez rien à faire. Et j'ai demandé, oui, volontiers, oui, mais qu'est-ce que. Pourquoi? Et qu'est-ce que j'ai à faire? Et ça, non, vous n'avez rien à faire. Nous trouvons que ce sera bien pour vous. Faire de la littérature, ça, je n'arrivais pas parce que c'est tellement riche là-dehors, je ne peux pas me concentrer et être assis à la table et travailler. Mais raconter à quelqu'un ce que je vois et ce que je fais, et tout ça, je ne réalisais même pas que j'écris. La veille au soir, une pizza en plein air entre une petite église et un canal. Sur le chemin du retour, I et moi sommes tombés sur une place romantique tout en recoin, où l'on dansait le tango sous la pleine lune. Il semble que ce soit la mode dans toute l'Europe, à Berlin aussi, entre-temps, et à Zurich. Mais dans le décor vénitien, sous ce climat clément et avec ce calme, le spectacle vous fait monter les larmes aux yeux.